Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis K.O. Ernest. Il y a un an environ, on m'a diagnostiqué une insuffisance rénale aiguë, chronique. Et en son temps, j'avais été hospitalisé. Et de partout, du Bénin d'ailleurs, vous m'avez soutenu. Vous avez montré votre sympathie en m'aidant, vous, les amis, ma famille et l'État béninois à travers le Fonds des arts et de la culture. Je voudrais vous dire merci ici maintenant. Tout ce que vous avez apporté m'a permis de survivre jusqu'à maintenant. Et je tiens du fond du cœur à vous dire merci. Peut-être que sans votre soutien, je n'aurais pas pu survivre jusque-là. Quand on m'a diagnostiqué l'insuffisance rénale chronique, on m'a aussi diagnostiqué un cancer. Et donc, depuis, grâce à vous, je me bats. Grâce à ma famille, je me bats. Mais c'est des maladies qui nécessitent beaucoup de dépenses. Donc je passe la plupart du temps à l'hôpital. Cette maladie m'a diminué complètement, je ne travaille plus. Et comme je n'ai pas de prise en charge, j'ai du mal au jour d'aujourd'hui à continuer le traitement. C'est pour ça que je me tourne vers vous. Je me tourne vers vous pour en appeler à votre... votre bonne volonté, encore une fois. Encore une fois. Parce que tout ce que vous avez pu apporter ici et là, tout y est passé. Et donc, comme je n'ai pas de prise en charge, j'ai du mal aujourd'hui à continuer le traitement. Par semaine, les dépenses avoisinent raisonnablement entre l'urologue et le néphrologue, ce sont des spécialistes qui me suivent. Donc, par semaine, la dépense avoisine raisonnablement 200 000 francs par semaine. Voilà, donc, et au jour d'aujourd'hui, je ne sais plus par quel moyen je vais continuer à faire mes dialyses. Là, maintenant, mon pied, le pied gauche s'est enflé, je ne peux pas vraiment marcher et j'ai d'autres choses sur mon corps qui ont pris du volume. Donc j'ai un peu de mal, c'est pour ça que je me tourne vers vous pour demander votre aide. Et s'il y a possibilité que l'État m'accorde une subvention, s'il y a possibilité que l'État m'accorde, me trouve une prise en charge, certainement que je serai soulagé. Voilà. Encore une fois, je vous remercie de votre soutien, de votre présence, de ce que vous avez été nombreux à m'accompagner. Mais le chemin est encore long et je vous en appelle encore. Je vous appelle encore au secours pour venir m'aider.